Ici Kitty, alias Lady Special K, pour une autre entrevue Land Urbain. Aujourd'hui, on se retrouve à Espace Urbain Montréal pour parler de la deuxième édition du AFPRO. J'ai avec moi Ingrid, coordonnatrice de projet du REPAF. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, Kitty? Ça va très bien, surtout qu'on est ici pour parler de la deuxième édition du AFPRO. Et on ne le dit pas assez, mais ce qui fait une vraie différence à la communauté, c'est les projets qui durent, qui reviennent, qui vont faire vraiment une vraie différence auprès des entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est que le AFPRO? L'AFPRO est un événement qui a lieu chaque année, qui permet de réunir les communautés noires, anglophones et francophones de Montréal au niveau de l'entrepreneuriat. On y retrouve le partenariat entre le REPAF, le CHAFRIC, la Jeune Chambre de commerce haïtienne, ainsi que l'UABI. Durant cet événement, c'est un événement de réseautage, mais de rencontre. C'est une plateforme de rencontre entre ces différentes communautés autour de l'entrepreneuriat et aussi autour de l'avancement professionnel. Ça aura lieu quand et où? Ça aura lieu le 28 février, ce samedi, à Concordia, et on vous y attend. Pourquoi c'est important et pertinent d'y participer, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou tout simplement comme assistant? En tant qu'entrepreneur, c'est très pertinent parce que ça vous permet de rencontrer d'autres entrepreneurs ou peut-être d'autres professionnels que vous n'aurez pas rencontrés ailleurs. C'est une plateforme de rassemblement. Rassemblement signifie que, par exemple, vous pouvez rencontrer peut-être un futur partenaire ou peut-être un futur employé. En tout cas, ce sera riche de rencontres. Donc, c'est très important d'y venir et peut-être aussi, ça vous permettra d'avoir de l'inspiration pour votre entreprise ou pour votre avancement professionnel dans tous les cas. Donc, c'est très important. Venez, on vous y attend. Oui, oui, oui. Venez, on vous y attend. Moi, j'y étais l'année dernière pour la première édition. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup appris. J'étais là comme médiatrice pour... il y avait un atelier sur, justement, comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Est-ce qu'il va y avoir d'autres ateliers comme ça cette année également? Oui, il y aura énormément d'ateliers, enfin de conférences tout au long de la journée. Que vous soyez un professionnel ou un entrepreneur, vous trouverez des conférences qui répondront à l'ensemble de vos questions. Moi-même, j'étais à titre d'étudiante l'année dernière et à vrai dire, ça a été très enrichissant et j'ai pu rencontrer énormément de personnes qui m'ont permis de réaliser mon avancement professionnel notamment. Donc j'invite les étudiants, les entrepreneurs ainsi que les professionnels à venir à AFPRO ce samedi. C'est intéressant que vous ayez choisi de le tenir dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, en tout cas dans le mois de l'histoire des Noirs, parce qu'on dirait que c'est notre mois là, tu sais, et que vous ayez eu envie justement de rassembler la pluralité, la mixité des communautés noires, que l'on soit d'origine créole, francophone, anglophone. Fait qu'il n'y a vraiment aucune raison de ne pas y participer. Tout le monde va y trouver son compte. En effet, il faudrait que toutes les personnes, que vous soyez de la communauté noire et même des autres communautés, nous vous invitons à être présents durant cette journée de rassemblement. Nous sommes pour la diversité et la coopération. Donc, pour votre projet, c'est très important. Venez, vous allez en apprendre énormément. Vous allez découvrir de nouvelles expériences. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ce sera très enrichissant. Comment on peut y participer? Alors, c'est très simple. Vous allez sur le site de l'AFPRO.ca, AFPRO.ca. Vous allez avoir le lien direct sur l'Eventbrite. Vous allez voir qu'il y a différents tarifs. Que vous soyez étudiant, c'est 22 $. Que vous soyez membre, c'est 20 $. Et si vous êtes des professionnels, c'est 30 $. Donc, on vous invite, on vous incite même à y aller et acheter vos tickets. On vous y attend nombreux samedi. Alors, samedi 28 février 2015, de 9h à 18h, ça se passe à l'Université Concordia, AFPRO, deuxième édition. Moi, j'y serai. J'espère vous y voir en grand nombre. Merci beaucoup, Ingrid. Merci beaucoup, Katie. On vous y attend. Merci.